Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour une deuxième vidéo, en fait plus rapide que prévu sur The Forest. Donc on recommence une partie, c'est une vidéo où on va un petit peu optimiser le camp. Je fais pas mal de tests ce week-end. Ah déjà je vais vous montrer un truc marrant, on va parler du gamin et vous allez voir la position qu'il prend à la fin. Le gars il a pas de côte le gamin. Vous allez voir déjà il avance, c'est quoi, c'est un nouveau bug? Il avance bien. Hein. Vous allez voir la position de sécurité normalement qu'il prend. Voilà, regardez-moi ça. Et encore là, il est plus avancé que d'habitude. Hein. Ah, le gamin, mais il a la tête entre les fesses, quoi, quasiment. Petite vidéo donc par rapport au test que j'ai fait ce week-end. J'ai pas mal joué. Il y a eu une petite mise à jour aussi dans la nuit de 50 MO qui a rajouté des trucs qui a limité le nombre de rondins qu'il y a besoin d'utiliser. Donc je pense pas que ça va trop me bousculer dans ce que j'avais prévu. Au contraire, ça devrait plutôt m'aider. Alors, on voit que j'ai pop à côté de la mer cette fois, apparemment. On va laisser les choses s'afficher. Donc bon, comme d'hab de toute façon, on prend les trucs à bouffer rapidement ici. Hein. Hop, vu qu'on peut pas y revenir. Tac, 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 tac. Tac, voilà. Et donc on va aller... Ouais, donc je suis au bord de l'eau, là. Ok, ça change, hein. Donc on voit tout de suite que là-bas, il y a des tentes, hein. Il y a un camp, donc, de... Un camp d'emmerdeurs. Alors déjà, on va regarder les améliorations au niveau des campements, ce genre de choses. Par exemple, au niveau des pièges. Ils avaient dit qu'ils avaient corrigé, mais là, là, il n'y a toujours pas écrit qu'il faut des rondins, par exemple. Ok, je sais pas si elle était faite en fait la mise à jour sur mon truc. Ah, 35 rondins pour le log cabine. C'est déjà un petit peu plus envisageable. Est-ce qu'on se la tente maintenant ou pas? C'est ça la question. Déjà? Ouais, ça, déjà ça part mal s'ils sont déjà là à me faire chier. Normalement, je dis bien normalement, je devrais avoir la paix. Ils sont toujours à côté, mais je devrais avoir la paix. Ça va être sympa pour le feu, la flotte. J'ai rendu bol, moi. Allez, cassez-vous. Allez, 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 où foutez-moi le camp. Voilà. Après, il y a aussi des interactions avec des nouveaux feuillages. Ouais. Vas-y, barre-toi, toi. Oh, oh. Quoi? C'est le premier jour, je viens juste d'arriver. Ça, c'est vraiment chiant. Franchement, je lisais en fait des commentaires de mecs. Il y a des gars. Et voilà. Dès le premier jour, ça fait même pas 10 minutes que je suis là. Ils sont déjà en train de me faire chier. Ça, voilà, c'est Nawak. On va essayer de s'en dépatouiller, hein. Voilà, ok, super. Bah, elle commence bien cette première session. Franchement, c'est vraiment un truc qui me saoule dans ce jeu. C'est, je comprends pas, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'on comprend rien. Voilà, je lisais des mecs, les gars leur ont foutu la paix pendant des heures. Vous avez vu ma première vidéo, enfin, si vous l'avez pas vue, vous pouvez toujours la checker. J'ai eu la paix pendant 3 jours à peu près avant d'être dans cette position-là. Et là, voilà, ça fait 10 minutes que je suis là, c'est déjà Bagdad. Je vais essayer de sortir de la grotte, car j'ai vu des mecs qui sortaient de la grotte sans problème. Moi, pareil, hein, si vous avez vu ma vidéo la dernière fois, j'ai vraiment pas eu de chance. Je me suis fait tout de suite défoncer. Oui, il y en a un là, déjà. Ah, et j'ai plus de fusée. Ok, ça va être sympa. Je vois même pas comment je peux m'en sortir. Voilà, j'en ai stun un. Le problème, c'est qu'il y en a un autre. Je vais peut-être le finir tout court, celui-ci. Merde, il est où? Ok, alors soit il est tombé dans le décor, soit
soit je suis bigleux, mais il y en a un autre. Et j'ai plus de... J'ai plus de gaz, hein. Donc... Ah, c'est la sortie, ok. Ok, bon. On va laisser le décor se refaire. Ah oui, le genre de truc où ils vous foutent, quoi. Maison. Ouais, le truc, c'est que j'ai pas fait de shelter. Donc déjà, ça c'est génial. Je sais pas du tout où je suis. Tu me diras, on peut peut-être se foutre là. Peut-être avoir la paix ici un petit peu. Bon, bah on va refaire un feu, écoute. Hein. Oui, bon, c'est bien que voilà, rien ne se passe comme prévu, je trouve que c'est intéressant. Mais voilà, il y a des moments où là, ça a pas traîné, quoi. Pourquoi ils m'ont attaqué tout de suite? Qu'est-ce que je leur ai fait, les gars? J'ai rien fait, j'étais en train de construire mon truc, les mecs, tout de suite, ils me sautent à la gorge, quoi. Ok. Bah, de toute façon, on va pas. Avec la pluie, ça va pas tenir longtemps. Ce qu'on va faire, on va faire des Standing Fire qui, eux. Ah tiens, je peux couper les fougères. Qui eux tiennent un peu plus longtemps. Voilà. Je crois, j'ai rien du tout. Ouais. Le truc, c'est qu'il n'y a rien à ramasser dans le quartier. Ça me donne des feuilles, ça. Ok, ouais, ça me donne des feuilles, les fougères. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il me faut des sticks. Le truc, c'est quoi? Il n'y a pas grand-chose en termes de sticks, en termes de... Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi en profiter tout de suite pour couper des gros rondins. Parce qu'en fait, c'était ça le truc que je voulais vous montrer. C'était tout de suite ramasser un maximum de rondins, de sticks, pour stocker, pour faire un truc pour garder les logs, les rondins, et puis après faire des murs défensifs. Parce que j'ai fait ça, et ça marchait pas mal mon coup des murs défensifs. Donc j'avais plutôt bien aimé cette possibilité-là. Je sais pas où est l'arbre. Ah, il est là. Alors merci aussi à la personne, j'ai oublié son pseudo, qui m'a dit qu'on pouvait prendre deux troncs d'un coup. Ça m'arrange bien. Alors j'ai ramassé des troncs, là c'est bien, mais je suis con. J'ai pas prévu le truc. Qu'est-ce qu'on va faire comme... Et si on se faisait la cabine? J'ai pas testé encore, donc on va se la faire. Puis voilà. Hop. 82 troncs, bah, ça change pas d'avant. Bah, c'est normal, hein, ça. Le décalage, vous inquiétez pas, c'est absolument normal. C'est un petit bug d'affichage, mais ça se remettra bien après. Il n'y a pas de souci à avoir. Oh, par contre, c'est vrai que 82 troncs, ça va me prendre beaucoup de temps. Les champignons vont venir m'emmerder. Au moins, je les vois venir d'ici. Sauf s'ils arrivent par la forêt, bien sûr, mais globalement, je les vois venir. Mais je sens qu'ils vont me faire chier. Est-ce que j'ai de quoi faire ce qu'on m'a dit de faire la hache là? Donc on m'a dit... Merde, j'ai pas de stick. J'ai pas de stick, ça le fait pas. Il faut un stick en fait et une pierre. Et je vais faire... Ah voilà, un stick. Je vais faire en fait le même type de hache qu'eux, ils ont. Qui permettent de knock down... merde, c'est pas ça que je voulais faire. De knock down le... Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça, hop, remove, et on va l'équiper. Et ça, apparemment, ça permet de les assommer. Vous savez, quand je les fous à terre et qu'ils respirent, je peux couper les arbres avec cette merde ou Oh, ouais. Je crois pas qu'il y ait d'usure de matos, hein, par contre. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Putain, par contre, je suis low énergie. Je pense que ce premier try va pas se passer comme convenu. J'aurais peut-être pas dû tenter la cabine. Tout de suite, parce que ça a été vraiment un début trop chaotique. On va quand même continuer, hein. Tant qu'on est en vie, on continue. Et puis on va bien voir ce que ça donne, notre affaire. Alors j'ai essayé de chasser aussi les varans, comme j'avais montré après la vidéo, ça faisait de l'armure avec leur peau. Sincèrement, je me suis fait défoncer la gueule tout aussi rapidement que sans. Donc je sais pas si ça a été pour le moment bien pris en compte, hein, mais en tout cas c'était pas très probant comme test. Hop là, donc on fout ça. Notre petite cabine avance doucement. Le problème, c'est que je n'ai pas de shelter pour dormir cette nuit, et j'aurai pas le temps de finir ma cabine avant la nuit. Donc je vais programmer quand même un temporary shelter qui permettra de dormir à moindre coût. Voilà.
je peux. Alors, là, je mets les feuilles. Tac, 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 tac. Il me faut des petites brindilles. Ah, dis donc, tu veux dormir là-dessous? Et le mec, c'est passe-partout que je joue là ou quoi? Alors, un rondin. Il me faut des sticks donc, principalement pour ce. Merde, pour ce shelter. J'aime bien me mettre dans le feu, hein. Ça c'est la spécialité de la maison, ça je crois. Ah putain, sérieux. Ah, on a de la visite. Ah, ils me foutront pas la paix, on est même pas à la fin du premier jour. Hein. Ah, et puis franchement. Il faut pas que je laisse me taper parce qu'en fait ils peuvent me knock là, comme tout à l'heure. Justement avec cette hache. Là il m'a mis un pain donc ça va. Mais je perds énormément. Voilà, j'ai perdu énormément de vie. Donc est-ce que là de toute façon je pense que je suis mort. Et voilà. Donc fin de cette première session catastrophique. Il faut bien le dire. Où j'ai vraiment vraiment joué de malchance. Et puis bah on va se retenter tout de suite une autre partie. On se retrouve dès que la partie est chargée. Bon, nous y revoilà. Putain, je suis encore sur cette bordel de plage de merde que je veux pas voir, mais bon. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Hein. De toute façon, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Je vais quand même un petit peu hop, prendre la hache tout de suite et scruter les environs. Est-ce qu'il y a un camp? Ah, je suis en face du bateau là, donc je suis vraiment sur la plage. Je suis pas à côté d'un lac ou que sais-je. Je suis vraiment au niveau de la plage. Donc je vais ouvrir les valoches. Le but donc va être là de récupérer du tissu, un maximum de tissu. Pourquoi il me dit Gatherlock 0 sur 49? J'ai encore rien construit. Bref, passons. Ok. Bon, ok, laisse tomber la valise, elle me saoule. On va récupérer ça tout de suite. On va espérer moins de fail hein, sur cette partie. Et on va en profiter. Super le lapin. Vous pouvez te barrer de mon établi. Voilà, on va combiner ça. Et tout de suite utiliser cette nouvelle hache. Qui, je pense, va m'aider sur le début. Putain, j'ai cru qu'ils étaient là déjà. Non, c'est pas possible. Ah, il y a des baies juste derrière. Il est pas mal le coin là. Là, il me prend pas trop pour un con. Il s'est peut-être dit tiens, on l'a bien frustré avant. On va être sympa avec lui cette fois. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, la lavande qui a pris un coup. D'accord, je sais pas. Enfin, une espèce de lavande là. Pas à quoi ça sert, mais d'accord. Pourquoi pas. Par contre, ouais, elle coupe moins le petit branchage. Bon, c'est un avantage d'être sur, d'être près du bateau parce que, alors, je sais que ça bug aussi, hein, mais normalement, nos potes détestent l'eau. Ils vont pas dans l'eau. Je pense pas qu'ils sachent nager en fait. Donc, ça peut, je dis bien, ça peut être sympathique d'aller se réfugier en cas de pépin. Il y a du tissu. Je l'ai pris, le tissu, j'ai tout. Je vais voir mon inventaire, s'il te plaît. Ouais, j'ai du tissu, j'en ai trois. Ok. Ça peut être intéressant, donc de... Il y avait qu'une barre, putain. Je suis pas gâté. Oh non. Alors oui, bien sûr, hein, il se balade aussi sur la plage, hein, pense bien. Hein. Je vais leur foutre la paix. Je réfléchis en fait à comment on va faire cette... Ah, une barre de chocolat, yes. À comment on va un petit peu agencer cette partie, vu la débâcle du premier run, là. Est-ce que je tente de rester près de l'avion? En fait, le problème, c'est que je peux mettre des murs défensifs sur les côtés, là. Mais on avait vu que nos amis étaient capables de passer dessous à cause de bugs. Donc mes murs défensifs ne serviraient à rien. Et surtout, les murs défensifs sont assez longs à faire. Donc moi, ce que je propose, c'est que on aille... Merde, j'ai trop de pierres. C'est qu'on aille au niveau de la plage. On va pas s'installer ici, parce que tout simplement, ils pourraient me tomber dessus. Il y en a là-bas qui approchent, c'est génial. Il y en a partout.
Ah, il y a des fois, mais donnez-moi un fusil, je les déglingue tous et on a la paix, quoi. Ah, c'est sa barre est où? On va se mettre quand même, voilà, on va se mettre par là-bas. D'accord, ok, là il y a un campement, est-ce que je peux y trouver des choses? Ah, une lance les gars. Des habits. Une lance. Oh la vache, c'est violent la lance. C'est dommage de pas pouvoir prendre par exemple le sac de couchage, de pas pouvoir m'installer là vite fait sur le camp. Ça me ferait un petit shelter improvisé. Donc j'ai une lance, donc déjà je vais pouvoir pas pêcher les mouettes, mais c'est pas l'envie qui manque. Mais je vais pouvoir pêcher. Essayer. J'ai jamais essayé. Ah ouais. Nickel. Bien là. Bon, donc j'ai de quoi pêcher. Ça c'est cool. On va se mettre là. Voilà. Hein, hop, c'est décidé. On se met ici. Donc on va faire le temporary pour le moment. Hop. Il manque encore des sticks. Je vais en trouver beaucoup parce qu'ici il y a beaucoup de petits buissons. Bon, il y a l'avion qui est là si j'ai besoin d'y retourner. Je sais pas pourquoi j'aurais besoin d'y retourner, mais sait-on jamais. Des sticks, des sticks, des sticks, toujours des sticks, toujours plus de sticks. Donc, on voit que cette hache par exemple coupe pas d'un coup les branchages. Parce que bah c'est un petit peu normal, hein, elle est moins tranchante vu que c'est juste une caillasse. Encore trois bâtonnets. Ah putain. On va espérer qu'il soit un peu moins con que tout à l'heure. D'ailleurs, j'aimerais bien reprendre ma. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il soit moins con que tout à l'heure. Non, du tout. Ok. Putain. C'est quoi votre problème, les gars? Hein? C'est quoi le problème là? C'est quoi le deal? Alors, je suis désolé hein, gros, si vous regardez, ça fout un peu la gerbe. Parce que je suis obligé de tourner non-stop pour me défaire d'eux. Parce que sinon, ils me prennent à revers. Et maintenant, il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Et il y en a marre. Toi, t'es mort. Toi, t'agonises. Et je vais te finir tout de suite. Vous allez arrêter de me faire chier! Putain! Mais c'est pas possible ça, hein! Bon, je suis plein de sang. Hop. L'eau énergie. Ouais, super, faut que je bouffe maintenant. Oh, une tortue! Ça va, vous avez votre dose là? Mais c'est hallucinant ça. Bon, le shelter est fait. Dans la douleur, hein, encore. Hein. Putain, sérieusement. Quoi. Ah les gars, un petit fixe là-dessus. Hein. Bon, le fixe des sauvegardes lui arrive, c'est déjà une très bonne chose. Ça, je vais pas m'en. J'ai trop de pierres. Ou j'ai trop de choses globalement sur moi. Non, j'ai trop de pierres. Okay. Je vais manger un snack pour recharger rapidement parce que là, j'ai pas le temps hein, de m'éclater. Oh non, mais c'est pas vrai. Mais fous-moi la paix. Vas-y, tu. Bon, allez, je la défonce. J'en ai plus rien à foutre. Vous commencez à me faire chier. Tous autant que vous êtes. Hein. Ça commence à bien faire. J'aimerais montrer des trucs. Tiens. Le prochain coup, tu gicles. Voilà. C'est bon, je peux avoir la paix. Faut que je fasse toute la famille, super la plage. Oh, je suis encore plein de sang, fait chier. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette partie pourrie? Laissez-moi. Je veux montrer des trucs aux gens. Soyez sympa comme ce week-end, quoi. Il faut un stick encore. C'est bon. C'est réglé. Hop, on va en mettre un ici. On va en mettre un à côté, comme d'habitude. Je vais sûrement me foutre dedans, hein, vous me connaissez maintenant. Et on va mettre une effigie, là. Vous savez, les machins super glauques, là. C'est où? C'est là-dedans. Simple. Pourquoi je peux pas cliquer dessus? C'est quoi ces bugs de bouquin, maintenant? J'avais pas eu ça une seule fois. Ah, mais il y a toujours quelque chose. Il y a
toujours quelque chose. Voilà. Fiji, on va la mettre ici. D'accord, sauf qu'elle n'est pas apparue. Ah si, elle est là. Oui, bah, j'aimerais ramasser la jambe. Je ne peux... Il y a vraiment des bugs, mais c'est infâme. J'ai pas eu autant de problèmes. Voilà. La dernière fois. J'adore parce que c'est génial ça. J'ai pas encore mis les structures de bois, mais les trucs tiennent par magie en l'air. La logique des jeux vidéo. Des têtes. Ah ouais, il me faut des têtes. Hein. Beaucoup de têtes. J'ai vu qu'on pouvait fracasser aussi la tête des gars avec des cailloux quand ils sont au sol. Là, c'est moi qui suis venu au contact, hein, on va dire. Je suis rentré à mon camp, donc on va voir comment ils réagissent, quoi. T'as vu tous les morceaux? Tu veux te battre, toi? T'en veux une? Tu veux que je t'en colle une? Ah ouais, ok, carrément, ok. Mais Nawak! En trois pains! En trois pains, les gars! Vous avez vu ça? Mais j'ai une hache, j'arrive même plus à taper. Non mais franchement quoi. J'espère qu'après cette attaque, ils vont au moins me foutre la paix jusqu'au deuxième jour. Donc ouais, le temporary shelter. Je sais même pas si on est au premier jour, deuxième jour ou quoi là. Ça le truc, c'est que tu sais pas combien de temps t'as été inconscient. Le temporary shelter, c'est un peu de la merde dans le sens où c'est pas considéré comme une baraque. Tu peux y dormir, mais il n'y a pas le petit symbole maison dessus. Ça m'arrange pas. On va aller farfouiller là-bas sur le bateau. Mais t'excites pas que ton briquet dans l'eau. Oui, alors bon, le fond marin, on peut pas plonger. Hein. Par contre, on peut voir des vues avec le bug. Pars-toi de là, la mouette, tu m'as fait peur. Donc, ah voilà, là il y a des flares en plus. Tac, tac, tac. Putain, il y a des barres machin. Ok, bon, on va dire que là j'ai quand même pas mal de trucs. Ça c'est les flares, voilà. Et ça c'est le flare gun, ok. Qui sont deux choses différentes. Hein. C'est vraiment à part. Ok, bon, il y a une barre de chocolat ici. En cas de problème, donc je peux me réfugier ici en attendant qu'il se barre. Mais ça fera pas avancer mon camp cette affaire. Alors, ce qu'on va faire, on va le faire ce log holder. Je dois pas avoir, j'ai pas assez de sticks, hein, comme d'habitude, les sticks. Ça, normalement, ça donne des sticks, hein, c'est trop petit pour donner des troncs. Enfin, je crois. Oh, puis elle coupe rien, celle-là, j'aurais dû changer. Donc voilà, on prend nos logs et normalement, je les mets et ici. Comment ça marche? Comme ça? Ah non, pas vraiment, non. Qu'est-ce qui a fait plouf? C'est qui? Quelqu'un qui est en train de déféquer dans l'eau. Alors c'est génial, j'ai mis mon log holder, mais je peux rien mettre dedans. Alors soit je suis con. Ouais, enfin si, c'est pour juste le poser et qu'il passe au travers. Ok, donc en plus le log... Rien ne va dans cette partie, rien ne va, le log holder ne marche pas. Normalement, on prend son rondin, et avec la touche E, on le fout dedans, et on peut stocker comme ça ses rondins et être tranquille. Bah bien sûr, là, non, quand je veux montrer des trucs, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche jamais? Putain. C'est la Bonaldi attitude pour les plus vieux. Bon, on va retenter la cabine. De toute façon, j'ai de la bouffe, j'ai un truc, donc autant tenter de faire une baraque. Hein. Et aussi, ah ouais, si, avant, j'ai mis les... Bon, on s'en fout, on a mis le plan. Je vais vous mettre montrer les defensive walls. C'est ça dont je parlais. Donc on peut mettre donc des murs. C'est chiant parce qu'on les voit pas très bien en plus avec le ciel gris sur gris, là c'est magnifique, je vois pas du tout ce que je fais. Je peux les faire tourner, hein, on voit voilà, que ça tourne avec R. Par contre ça tourne que dans un sens, donc quand on s'est gouré il faut refaire le tour. Voilà, on va faire ça, vous allez pouvoir voir un petit peu
Ça sera moins long que la cabine à faire. Et comme ça, vous avez... Dommage que mon machin, là, il tienne pas, parce que ça aurait pu être vachement intéressant. Et j'ai encore cette putain de hache de merde. Ah, je vais prendre celle-là, qui est quand même vachement plus efficace. Par contre, j'ai... Tout à l'heure, quand j'ai coupé mon gros arbre, là, il y a plusieurs troncs. Bon, bah écoute, c'est toi qui vas prendre, mon gars. Enfin, je dis ça. Ok, donc... Je peux pas te couper, toi. Toi, t'es un arbre incoupable. Bon, viens. Pareil, en bas, je sais pas, par exemple, pourquoi il me met Gatherlog moins 4 sur 13. Moins 4, je suis dans le négatif, maintenant. Hein? Voilà. C'est quoi cette posture de merde, là, avec l'épaule, là? Bon. Ah, moi, je m'en fous, hein. La garde nord, mais ne se rend pas, hein. Je continue. Allez. Puis merde, oiseau! Merde, je t'emmerde, l'oiseau! Putain, je vais te faire rôtir, tu te barres pas! On ne peut pas faire cuire les oiseaux, même les mouettes. Enfin, pas que je sache, en tout cas. Donc, hop, on va pouvoir finir le premier, notre premier mur. Ce qui est plutôt sympathique. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je les ai pas vus passer au travers. Et ça permet quand même de pas mal se protéger. Moi, c'est vrai que là, je peux pas vous montrer. Enfin, ça va prendre du temps, mais... J'avais fait un petit truc en... Je vais remettre un mur, histoire de vous montrer un petit peu. On va le faire tourner, en fait, pour qu'il soit un peu... pas droit. Voilà, un peu comme ça. Et en fait, j'avais mis des murs, j'avais fait un peu plus large, hein. J'avais mis des murs et j'avais mis mon camp au pied du truc. Ce qui fait qu'ils étaient obligés d'arriver que par... Oh, ça m'a fait peur. Mon propre truc me fait peur, ça va plus dans ce jeu. Ils étaient obligés d'arriver en fait par un seul côté, c'est-à-dire qu'ils étaient derrière le mur, je les entendais, mais ils pouvaient pas m'agresser. Donc c'est plutôt le defensive wall, et je trouve assez cool. Putain, j'ai plus de stamina, on va boire un coca. On s'en fout, hein. De toute façon, la survie, pour ce que ça... Pour là où on en est, vu l'état de ma survie actuelle, hein, on s'en fout un petit peu. Mais ouais, donc le defensive wall est plutôt une bonne chose. Après, c'est bah, il faut 6 rondins. Il y a le basic wall, lui, qui ne prend que 4 rondins à faire. Donc c'est un petit peu plus rapide, sachant qu'un arbre, en moyenne, hein, de ce que j'ai pu voir, les gros donnent 5 troncs, et les petits comme ça, normalement, en donnent 4. Enfin, petits... Il est pour petit l'arbre, mais c'est au niveau de la taille des troncs. Hop. Alors, en ce qui concerne aussi les pièges. Alors les pièges, apparemment, pareil, j'ai été faire quelques petites recherches sur les forums et tout, savoir ce que les... Si les gens arrivaient à les réarmer, apparemment pour le moment on ne peut pas les réarmer. Je pense que voilà, c'est pas encore implémenté dans le jeu. Donc c'est pour le moment, voilà. C'est un peu du one shot. Oui, c'est quand même assez. Je peux vraiment pas passer, hein. Il y a une hitbox, même si je vois au travers, ça c'est un bug d'affichage, mais il y a vraiment une hitbox qui fait que je ne peux pas passer. Donc c'est un truc qui protège, je trouve, vachement bien. Le mur, il va pas tarder à faire nuit. Pourquoi mon... D'accord. Donc j'ai affaire à un con là. J'ai allumé le truc, il a enfin rangé son brick. Il est mouette. Ah, il est mouette. Oh, bien ou bien la mouette là. Tirez-vous, je vous crame, sérieux. Il y a aussi un bug avec des lapins qui pop à foison quand on met un camp. Ça arrive assez souvent. Donc voilà, j'ai toujours pas de tête. Donc voilà, vous avez vu au niveau des murs, c'est assez... Moi je trouve que c'est intéressant les murs. Ça peut faire une bonne base, bah, ce qu'on va faire, tant qu'on y est. Attendez que mon shelter est tout pourri. On va faire un king shelter qu'on va mettre tout simplement ici. Il faudrait carrément que je fasse un autre mur à côté. J'ai encore 2-3 trucs pour construire, mais... De toute façon, je pense que ça attendra le jour suivant. Je vais enfin pouvoir passer une nuit quand même, les gars. Vous vous rendez compte que... Enfin là, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais au niveau de la saisie,
Ça fait plus d'1 heure que je joue. On est sur le deuxième, toujours sur le deuxième try. Et c'est catastrophique, franchement. C'est la catastrophe. Bon, voilà, on est quand même gratifié par de très beaux paysages, hein, quand même. Même si je sais qu'on me l'a dit, ouais, c'est pas si joli que ça, c'est la compression vidéo, hein, qui fait ça. Oh, mais les mouettes, mais c'est une invasion, quoi. C'est les oiseaux d'Alfred Hitchcock, le truc. Non, ils m'ont foncé dessus, ils me cassaient la gueule, les machins. Mais. Ah, je vous avais prévenu, hein. Cassez-vous. Ils sont presque pires que les mutants, les piafs. Mais barrez-vous! Attends, je fais un cimetière de mouettes. Ah, oh merde, j'ai eu peur. Ah la vache, qu'est-ce que je fais? Barrez-vous, sérieux. Bon. Ok. On va continuer donc de couper du bois. Il nous faut donc des gros troncs uniquement. Ce qui me fait partir dans la forêt. Et j'ai encore cette hache de merde. J'ai encore dupliqué la hache. Donc on est toujours dans notre optimisation, hein. Enfin, on essaye d'optimiser malgré les drames qui se jouent et les mouettes qui nous font chier. C'est les mouettes, elles nous emmerdent. Regardez ça. Pourquoi elles me suivent? C'est les piafs là dans. Je pense que c'est le monde de Nemo là. À moi! Ah bah tiens, revoilà l'autre. Et vous voulez des coups de rondin, hein, les mouettes. Hein. Il y a un souci. Hein. Vous êtes aussi connes que les mutants en fait. Pourquoi c'est éteint ça? Le rondin, il vient jusqu'à moi. Normalement, c'est les deux derniers, si j'ai bien compté. Et après, on s'attaque à cette. Peut-être à la cabane. Hein. Ok, bon, le shelter est bon. Voilà, donc là, on a le petit icône maison. Encore que j'ai dupliqué une hache. Ouais, je suis trop fort. Je duplique une hache, mais il y en a partout. Ouais, c'est con, ça aussi, je peux pas le détruire, par exemple. Mais bon, bref, passons, c'est pas bien grave. Avant de construire la cabane, on va faire un truc. Non, je ne vais pas me brûler. J'ai dit non. On va mettre un mur ici. En plus. Voilà, un petit peu plus l'incliner. Voilà. On va aller chercher des rondins. Et ça devrait me protéger. Donc on aura vu quand même pas mal de trucs. On a un log holder qui est buggé, qui marche pas. On a un petit camp provisoire qui est buggé, qui marche très bien, mais qui indique pas la maison. Hein, je résume. Et puis bien sûr on a fait les trucs comme d'habitude, le feu, la chasse, de quoi survivre. Hein. C'est la base. Donc voilà, on a nos murs. On peut passer là. Non, ok. Voilà, on a nos murets. C'est pas mal là. Hein, on est pas mal. Et puis bah après on va. Il va falloir s'attaquer à la cabane. Par contre, de ce que je sais avec mes bouteilles là. Voilà. Voilà, ça. Avec ça, on va bien rire. Qu'ils y reviennent. Avec ça, tu vois. J'en ai rien à foutre, tu vois. Bon, trois molotovs. Ils reviennent, je les crame. Direct, je les crame, de toute façon. On est pas mal, on est pas mal installé. On a nos petits murets. Bon, alors, on est au matin du troisième jour, là. Hein. Toujours pas de visite de nos potes. Alors, la maison qui se construit. Ok. J'espère vraiment qu'elle va prendre la place après du. Qu'elle va reprendre la place du patron là, parce que sinon, je vois pas comment je vais pouvoir rentrer. Et donc, pendant que je suis en train de continuer à la baraque là, j'ai vu qu'il y avait une grotte d'ailleurs, des gars juste derrière là-bas où je coupe mes arbres, mais bon, il n'y a personne. Un petit tip que j'ai découvert, on sprint classique, en fait, on sprint plus vite en faisant des pas chassés. C'est assez marrant, vous voyez. Je vais beaucoup plus vite que si je vais tout droit. En fait, la vitesse de déplacement est plus importante en sprintant de côté. Donc, si ça peut aider hein, à fuir ou à ramener les trucs plus vite, voilà. Le sprint de côté, c'est la. Voilà, vous voyez comment je vais plus vite en maintenant avant et puis côté. Donc voilà, bon bah moi je continue mon truc. On peut ramasser des plantes aussi, j'ai vu ça tout à l'heure.
Je sais pas trop ce que ça fait, j'ai pas testé, je suis toujours en train de couper mes arbres. Et ouais, là, dans la montagne, là, on la voit, il y a une grotte. Donc je vais pas m'y aventurer, hein, pas tenter le diable pour le moment vu que j'ai la paix. Et puis, bah, on se retrouve, je l'espère, quand la cabane sera finie. Donc, nous voilà au matin du quatrième jour. Alors, je pense que nos potes les mutants ont bugué tout simplement parce que je les ai pas revus. Ce qui fait mes affaires. Tout simplement parce que bah, j'ai quasiment terminé la baraque. Il me manque 3 rondins. Donc là j'en ai déjà 2 sur moi. Donc on va voir ce que ça donne. Globalement sur ce deuxième run là. Construire tout ce que j'ai fait là, plus au début on a eu les petits soucis avec les mutants, ça m'aura pris deux bonnes heures de jeu. Construire la baraque tout seul, ça prend environ 1 heure de récupérer les 82 troncs. C'est long, hein, c'est pas passionnant. Je pense que c'est beaucoup plus long en plus quand vous avez les mutants qui vous coursent régulièrement et vous font chier. Donc là, normalement il y avait un troisième tronc qui m'attendait. Bon, bah, tant pis, on va sacrifier un arbre encore. Mais ouais, il faut environ 1 heure pour la construire. Je pense qu'en coop, ça sera plus sympathique parce qu'on pourra vraiment se partager les tâches et donc partager le temps de construction aussi. Des mutants, j'en ai trouvé en fait morts un peu partout dans l'eau là-bas. Je trouvais des dents aussi dans l'eau, c'était sympathique. Mais ouais, je pense qu'ils ont dû bugger. Voilà, donc notre dernier tronc. Et là, le cabanon va être terminé. J'espère qu'il va bien se positionner, franchement. Parce que sinon, ça va être assez dramatique. De toute façon, donc le hotfix des sauvegardes n'est pas encore en place. Il sera en place, donc ce... Ah bah, il y en avait un là, deux troncs. Il sera soit aujourd'hui le 2, soit le 3. Il va être quand même vite mis, hein, mais... Ok, c'est bon, ça s'est bien mis. Donc voilà le cabanon. C'est pas mal sécurisé. Il y a quand même des fenêtres, j'aime pas trop. Je pense qu'à l'intérieur, étant donné qu'il n'y a pas de sol à proprement parler, on va regarder ça tout de suite. Est-ce que par exemple, je peux faire un... Voilà, je peux faire un feu de camp à l'intérieur. Ça c'est magnifique parce que mon feu de camp, bah, il va être totalement protégé. Il manque juste deux caillasses. Être bien dur à trouver. Ça respawn hein, les ressources. Les arbres, on voit qu'il y a des bugs aussi. Juste à terre, ça m'a beaucoup fait rire. Le feuillage qui reste en l'air. Ah bah tiens, un très bel arc-en-ciel qui va permettre de finir cette vidéo. Voilà. Donc ouais, je peux pas sauvegarder. Bon, de toute façon, c'est pas très intéressant là de sauvegarder parce que bon, ok, j'ai fait la cabane, mais bah il y a plus de. Y a plus de méchants, hein, j'ai envie de dire, ils sont plus là. Franchement, je les ai pas vus une seule fois se balader. Pourtant, je suis allé loin. Hein, oui, j'ai déforesté beaucoup, beaucoup. Il y a l'avion qui est juste là, il y a la grotte qui est juste en face, mais je les ai pas vus une seule fois. Donc, je pense vraiment qu'ils sont buggés. Mais ça m'aura permis donc de faire ce petit campement tranquillement. Oui, franchement, on peut se balader un peu, il y a personne. Je sais pas où ils sont, mais en tout cas, ils sont plus là. Mais ça nous aura permis donc ouais, de faire ce chouette petit campement. Donc bon, je me suis pas attardé sur les pièges, parce que comme je vous ai dit, les pièges, on peut pas forcément les réarmer pour le moment. Vous voyez, par exemple, j'ai essayé de faire le log holder, mais il marche pas. Donc il y a, à mon avis, beaucoup de choses à découvrir. Le coup des rondins là, vous pouvez tenter ça hein, avec le petit camp de l'autre côté. Vous pouvez même en mettre plus, hein, fermer carrément votre truc. Pareil, hein, si vous arrivez à faire la cabane, il faut de toute façon la protéger. Pour le moment, il n'y a pas tous les monstres. Hein, si vous pouvez regarder les trailers, il y en a qui défoncent carrément les murs, les trucs comme ça. Donc autant vous dire qu'après, ça va être, je pense, Bagdad hein, en termes de combat face aux mutants. Mais en espérant que ce soit quand même un petit peu mieux équilibré. Pour le moment, j'ai pas vraiment de raison après de refaire pour l'instant une vidéo, sauf gros ajout et tout, parce que bon, la sauvegarde, c'est pas un ajout qui justifie une vidéo. Donc, on verra plus tard, peut-être pour une troisième vidéo, exploration de l'île, s'il y a des nouvelles zones, parce que là, grosso modo, l'île, on a un peu tout vu.
Après, il y a beaucoup de forêts, hein, vous l'avez vu, il y a des campements abandonnés, il y a la montagne qu'on a vue au début avec un lac, et puis donc le bord de mer avec le bateau abandonné. J'ai même pas eu bah, utilisé finalement mes cocktails Molotov, hein, puisque bah, personne n'est venu. Et personne, il n'y en a pas un qui se balade. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est pas plus mal, on a pu voir comme ça, j'ai pu faire la cabane. Ça vous donne une idée du temps, hein, compter 1 heure, comme je vous ai dit. Sans les mutants, beaucoup plus à mon avis avec les mutants. Au moins, ça permet de protéger le feu. Ça permet, je pense aussi, hein, de bien se protéger. Je doute qu'il passe au travers des fenêtres, mais sait-on jamais. Il n'y a pas de porte, hein, par contre. Donc après, je pense qu'il faut tabler sur une construction. Après, voilà, comme ça, des trucs à porte. Parce que ouais, parce que là je peux pas mettre ça, moi. Je peux pas le mettre dans le cabanon, quoi. Ça fait pas partie du truc. Merde, pardon. Donc je pense que voilà, il faut plus tabler après sur des choses faites entièrement. Wall avec window, peut-être basic wall. Je pense que ça fait la même. Je sais pas si ça fait la même hauteur. Ça fait 5, ça fait 3. C'est des murs comment? Ah non, ça fait pas 3, non, ça fait 5. Ouais, donc après, il faut vraiment, je pense, construire sa maison soi-même de A à Z. Et puis, bah après, donc, ouais, il y aura du mobilier sûrement. Bon, les pièges, hein, on avait vu ce que ça donnait. On peut faire des pièges, on pourra faire aussi du petit jardinage. Mais pareil, ça, j'ai pas de graines, peut-être, c'est avec les plantes que j'ai ramassées tout à l'heure qu'on pourra faire. Donc, le petit bateau. Pareil, il faut de la corde, ça je sais pas comment on obtient. Houseboat, il est pas disponible de toute façon. Et puis bien sûr là tout ce qui est en orange auquel j'ai pas accès, je sais pas ce que c'est. Voilà, vous voyez, c'est grisé. On voit, je crois, crafting, food, crafting guides, do it yourself, hein, DIY, do it yourself, not meat and dealings. Weave ou machin, fear, je sais pas ce que c'est. Peut-être sur les légendes de l'île, je crois que c'est crafting. Là. Pourquoi crafting? Peut-être fabriquer des trucs. Et donc, et là voilà, herbal medicines. Donc voilà, il y aura pas mal de trucs à faire après. C'est vraiment comme je l'étais dans la première vidéo. C'est click to place, c'est bien, je peux placer un truc. Je peux placer un truc qui est même pas encore apparemment affiché. Attendez, on va le construire et puis on va finir là-dessus. De toute façon, j'ai plus beaucoup d'énergie. J'ai pas grand-chose à bouffer de toute manière. Hop. Faut juste deux troncs. J'ai trouvé de l'argent aussi. Ça sert pour le crafting, pour faire quoi? Je trouvais des médocs qui permettent des dents. Et des médocs qui permettent de rendre de la vie tout simplement. On va juste aller chercher un truc. Donc voilà, le sprint en strafant qui permet d'aller plus vite. Même si on se mange les arbres. Hop. Je vais prendre deux rondins, on sait jamais. Et on va finir donc là-dessus. Donc une vidéo qui au final bah, nous aura quand même permis. J'ai eu le mode peaceful, j'ai envie de dire un peu avant tout le monde, hein, grâce à un bug. Mais ça nous aura permis de finir cette cabane. De voir. Voilà, ouais, j'ai fait un banc, c'est cool. Ça sert à rien si je passe au travers. Pour ça, je pense qu'il est pas du tout. Ouais, il est click to place, mais il n'y a pas d'image et tout. Je pense que c'est un petit, peut-être un petit bug. Parce que, comme la hache au travers du monde, j'en aurais dupliqué, hein, des putains de haches, il y en a partout. C'est dramatique. Mais voilà, vous aurez vu la cabane et puis un petit camp un petit peu mieux optimisé que la première fois. Donc n'hésitez pas à essayer de trouver des idées, essayer de voir au niveau de la géographie, de la topographie de l'île, là où vous pouvez être le mieux, le plus à l'abri des mutants. Et puis bah, on attendra des nouveaux ajouts, bien sûr, hein, que ça continue sur cette voie, parce que le jeu est toujours très très intéressant, très très prometteur. Et j'ai hâte d'en voir plus, de voir des nouvelles zones, des nouveaux monstres, des nouveaux trucs à crafter. Et puis du multi en coop, qu'on puisse s'amuser avec les potes. Ça sera sûrement, je pense, moins rédhibitoire, moins frustrant quand les mutants attaquent. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Ciao!